Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble plusieurs figurines de chez Marvel et DC Comics. Rémi, t'es prêt? Oui. Alors, on va commencer cette vidéo par Spider-Man. Rémi, tu me ramènes tous les Spider-Man? Bien. En fait, celui-là, c'est un nouveau Spider-Man que papy m'a acheté. Alors, on a ici un Spider-Man ultra articulé. C'est une très vieille pièce. C'est celui-là que j'aime. Je sais pas de quand il date. Je ne trouve pas de date sur le personnage. Mais vous voyez, il est articulé de partout. Jusqu'aux doigts, aux bras, aux avant-bras. Ok, j'ai trouvé Spider-Man. C'est une super figurine pour jouer, ça. On commence donc cette présentation par la figurine de 30 cm de Spider-Man. Rémi, c'est quoi les pouvoirs de Spider-Man? Les araignées. Il a les pouvoirs d'une araignée. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut grimper au mur. Comme ça? Aussi tout là-haut. Tout là-haut? Oui. Et il peut faire quoi d'autre? Il peut attaquer les maisons pour paix. Et qu'est-ce qui sort de ses bras? Qu'est-ce qui sort de ses bras? Des toiles d'araignée. Des toiles d'araignée. Toiles d'araignée. Comment t'as réussi? Attends, regarde. Attends, on va le faire tenir debout et on va tirer la toile d'araignée. Tu appuies? Vas-y, appuie. Non, je veux voir. On continue avec le plus classe et le plus cool des super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. Figurine de 30 cm d'Iron Man. Bon, cette figurine est moins articulée. Alors, Rémi, Iron Man, c'est quoi ses pouvoirs? En fait, Iron Man n'a pas de pouvoir. Il utilise sa technologie. Tu sais d'où elle vient? D'où vient toute son énergie, Rémi? Montre-le à ton doigt. C'est exactement ça, il vient de son cœur. L'arc. Et Iron Man, il a réussi à se construire une super armure avec plein de capacités. On passe maintenant à Captain America, le premier des Avengers. Captain America est un super soldat. Rémi, c'est quoi les pouvoirs de Captain America? Il a un bouclier en vibranium qui peut lancer. Il le porte sur le bras. Attends. Sur son dos. En fait, Captain America, il a reçu un super sérum qui l'a transformé en super soldat. Il est fort, il est agile, il court vite. Et c'est le chef de la bande des Avengers. Parce qu'il est super tu m'as dit fort. Que cette figurine, elle parle? Oui. Faucon! Je m'appelle Captain America. Faucon, on peut les vaincre. Surveillez votre flanc, les gars. Je fais diversion, mettez-vous à l'abri. Dégage, Tony. Soldat, repos. Vite, au Quinjet. Et on passe maintenant à Hulk. Vous voyez les amis? C'est Hulk avec son gant de l'infini. Qui a fait le snap pour récupérer tout le monde. La moitié des gens que Thanos a fait disparaître avec son premier snap. Bonjour. Merci.
Alors ici on a cette magnifique figurine 30 cm de Hulk, tout en muscle et en short. Hop, hop. Elle n'est pas ultra articulée. T'as vu comment il fait? On peut le mettre tout ce qu'on fait. T'as vu comment il fait? Hulk smash. Hulk, t'es bon Hulk. C'est souffré. Rémi, quel est le super pouvoir de Hulk? De casser les maisons. Il casse des maisons? Ouais. Ah ouais? Ouh là là. Les maçons ne doivent pas l'aimer. En fait, on disait que ça, le canapé, c'était des maisons cassées. Hulk smash. Non. En fait, Hulk, c'est un scientifique qui s'appelait Bruce Banner. Bruce. Il a été irradié par des rayons gamma. Et quand il est en colère, il se transforme en Hulk. Hulk, c'est peut-être un des Avengers les plus puissants. Il est très 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 fort. Ouais, il est fort. Le dieu du tonnerre, Thor. Une belle figurine de 30 cm articulée avec ses deux... En plus, je l'ai commandé à pack. Un pack avec ses deux épées. Alors, c'est une version justement avec les deux épées. Il n'a pas son marteau sur cette version. Il est tiré du film 3, Thor 3. Avec sa cape. Tu peux m'expliquer le film 3? Oui, dans Thor 3, Thor il a perdu son marteau et il est en fait, c'est sa tenue avec ses deux épées quand il combat Hulk dans le Colisée. On va voir. Parce que celui-là, c'est comme Captain America, il est sonore. Qu'est-ce qu'il dit? For Asgard! Ah, c'est de l'anglais. On traduit? For Asgard, ça veut dire pour Asgard. Hulk, we're friends. We don't need to fight. Hulk, on est amis. On n'a pas besoin de se battre. Look out! Attention! Valkyrie, I need your help. Valkyrie, j'ai besoin de ton aide. Qui? Hulk, you are much stronger than I remember. Valkyrie, c'est une fille avec qui il devient ami, qui va l'aider. We must defeat Hela. On doit battre Hela. Hela, c'est sa sœur, qui est méchante. I'm always ready to fight. Je suis toujours prêt à combattre. Parce que avant, elle avait cassé son marteau. What realm is this? On est dans quel royaume? Ragnarok is coming. Le Ragnarok arrive. Valkyrie, take them down. Valkyrie, descends-les. Heimdall, j'aurais bien besoin d'un accès plus rapide. Il a donné un coup de pied. Il a donné un coup de pied. Fight by our side. Hulk, combat à nos côtés. I am the god of thunder. Je suis le dieu du tonnerre. Le dieu du tonnerre. We don't need to fight. Asgard needs your help. Et chez Marvel, on finit avec le grand méchant, vous le connaissez, Rémi, c'est... Thanos. Thanos, le conquérant. Il est ici avec sa tenue de guerrier. Pourquoi il a une tenue de guerrier? Il s'apprête à attaquer pour récupérer les 5 pierres d'infini. Là, vous voyez, il les a tous sur son gant. Thanos est active. Vous faire. Thanos, il a une infinité de pouvoirs, il sait qu'il contrôle beaucoup, beaucoup de choses grâce à ses pierres. C'est un ennemi très, très puissant. Bonjour, je suis très, très puissant. Et on passe chez DC Comics. Le super-héros le plus connu de chez DC Comics, comment il s'appelle, Rémi? Batman. On a ici le Batman avec son costume traditionnel, le jaune, le gris et le noir avec la cape. Ça, c'est le Batman, on va dire, classique. Et l'autre? L'autre ami, c'est le Batman Toxic Suit. Donc c'est le costume qui... Non, en fait, c'est le costume qu'il utilise pour contrer les gaz toxiques, les poisons, etc. Je pense qu'il l'utilise surtout contre Scarecrow, l'épouvantail. Pourquoi? Parce que l'épouvantail, c'est un ennemi de Batman qui utilise beaucoup de poisons, de toxiques. Et tu vois, grâce à son masque spécial, c'est un masque à gaz, en fait. Il peut contrer. Rémi, quel est le pouvoir de Batman? Ah, non, il ne peut pas voler, il sait planer. Planer, c'est quoi? Planer, c'est quand tu tombes, mais doucement, grâce à ta cape.
Non, Batman, il est comme Iron Man. Il a pas de super pouvoir. Il a beaucoup de gadgets. Il sait se battre. Il a de l'argent. Il a beaucoup de technologie, mais il a pas de pouvoir. Contrairement, tu as raison, à son ami. Lui, par contre, il en a plein des pouvoirs. Kal-El, alias Superman, qui vient de la planète Krypton. Donc Superman, c'est le héros le plus connu de chez DC, hein, après Batman, ou avant Batman, c'est un débat. Rémi, quel pouvoir de Superman? Qu'est-ce qu'il sait faire, Superman? Il sait voler. Il sait voler, il sait tirer... Tirer dans le laser des yeux? Oui. Il est super fort. Ouais. Il peut tout soulever. Regarde, ça portait plein de choses. Mais... Et il travaille dans la Ligue des Justiciers avec Batman et tous les autres. Et on a l'acolyte de Batman qui l'aide sur toutes les missions, Robin. Robin avec son costume rouge, vert et noir, et jaune, traditionnel. Ah, il est plutôt cool celui-là. Moi j'adore l'autre. Bon, Robin il est comme Batman, hein. Il est super agile, mais il n'a pas de pouvoir en particulier. Et on finit avec l'ennemi le plus emblématique de chez DC Comics, l'ennemi juré de Batman. Rémi, comment il s'appelle? Joker. Le Joker. Il fait peur, hein. Moi, il ne fait pas peur. Dans Batman, dans le film de Batman, il ne fait même pas peur. On a ici une belle version du Joker à l'ancienne, très flashy, violet-vert. Rouge à lèvres bien rouge, les cheveux bien verts. Mais pourquoi il a dit rouge à lèvres, Joker? Le clown maléfique, prince du crime. Alors lui c'est pareil, c'est comme Batman, il a pas de super pouvoir, il est juste très malin et très fou. Non. Alors Amy, tu dirais que tu préfères les personnages de chez Marvel? De chez Marvel. Ou les personnages de chez DC Comics? Les personnages de Marvel. Tu préfères Marvel? C'est Marvel qui gagne. Mais Rémi, lui, c'est pas un super-héros Marvel. C'est un Power Rangers, lui. Yeah. Thanos, tu as attaqué notre vaisseau. Tu ne fais pas le poids face à moi. Hulk, aide-moi! Smash! Ouais. Oh. Vas-y, combat avec Thanos. Ah, Iron Man, tu me prends très... J'ai gagné! Merci, Tony. D'Orion. Robin, tu le sens? C'est trop calme. Robin. Oui. Bonjour Superman. Le Joker combat Superman, vite, allons-y. Tiens. Vous ne m'attrapez pas. Tiens ta Bob. Et toi aussi. Je vous aide. Un Batman. Tu sais que Robin il était mort? Ah bon? Si tu savais. Superman. Robin il est mort. Vite, on peut peut-être encore le sauver. Tiens, mais moi pendant ce temps je m'occupe du Joker. Il me convaincre. Le Joker a réussi à vaincre Superman. C'est une catastrophe. Joker, où es-tu? Viens me battre. Maintenant c'est Batman qui est mort. Batman, en fait je n'étais pas mort. Je viens t'aider. Yo. Je vois plus rien.
a même pas mis dans tes épaules. Je crois qu'il a pas besoin de mon aide. Avandia, rassemblez-vous. Rémi, tu vas me choisir le plus fort parmi tous les super-héros. C'est Hulk le plus fort? Oui. De tous? Oui, il est fort. Et est-ce qu'il est plus fort que Thanos? Ça se discute? Thanos est le plus fort. Ouais, ça se discute, hein. Je vais donner un coup de poing. Bon, Hulk a gagné. Oui, dis-moi, tu préfères Batman ou Iron Man? Celui-là. Tu préfères Iron Man? Ouais. Ah, ben papa, il préfère Batman, hein. Alors que le combat commence. Iron Man, tu ne fais pas le poids. Ah, face à mon compte en banque. Que toi. Arrête tout de suite, il n'y a que moi qui ai le droit de battre Batman. C'est mon chéri à moi. Joker, touche pas mon copain. Captain America, je ne suis pas d'accord avec toi. Les super-héros doivent dévoiler leur véritable identité. L'araignée, à toi! Tu veux t'attaquer avec mes doigts, l'araignée? Tu mets tous les gentils de ce côté, tous les méchants de ce côté. Alors, Hulk, c'est un gentil ou un méchant? Un gentil. Alors, tu le mets au gentil. Gentil, gentil. Captain America. Spider-Man est mort. Ah, ok. Thor, gentil ou méchant? Gentil. Gentil. Joker. Joker, gentil ou méchant? Méchant. Très méchant. Robin. Batman. Ou Superman. Ou Iron Man. Voilà. Oh ben, ils font la paire, eux deux. Voilà. Je suis trompé, papa. Et lui, gentil ou méchant? Méchant. Mais il n'a rien à faire là. Superman est trop puissant. On ne peut pas le laisser continuer à vivre tranquillement sur Terre. Il faut le contrôler. Qu'est-ce que tu racontes, Bruce? Rends-toi, Superman. Tu ne peux pas faire justice toi-même. Rémi, si Batman il devait combattre Superman, qui gagnerait? Batman. T'as beaucoup trop confiance en l'homme chauve-souris. T'es sûr? Quand même, Superman, il suffit qu'il fasse ça. Et Batman, il est mort. Batman, il est intelligent. Et moi, j'aime Batman. Batman, rends-toi. J'ai capturé ton petit protégé. Joker, lâche-le. Non, Batman, laisse-moi, je m'en sortirai. C'est un piège. Robin, je vais te sauver. Je vais te lancer mon batarang. Tu peux essayer? Vas-y. Touche Joker. Ah, tu m'as bien eu, Batman. Non. Mais c'est pas fini. Ah non! Je suis bébé Hulk. Bébé Hulk, qu'est-ce que tu en veux? On m'a capturé, papa. C'est le Joker qui m'a capturé. Oh non, je l'ai attaqué. Le cosmos. Je suis le plus beau, avec mes cheveux gominés. C'est trop calme ce soir sur Gotham. Je vais exploser quelques bâtiments. Non? Bah, si? Non? Non? Bah, si. Rémi, Thanos va s'apprêter à faire le snap. Il fait comment le snap? Je vais t'apprendre à claquer les doigts. Je suis Thanos. J'ai enfin récupéré toutes les pierres d'infinité. Les gemmes sont à moi. Je peux
mettre mon plan à exécution. Mais vous avez bien combattu, mais c'est la fin pour vous. Oh non! Que s'est-il passé? La moitié des gens ont disparu. Thanos, tu ne me paieras. Oh non! Je suis Mini Hulk. Je suis emprisonné.